Salut les amis, c'est Bigouf. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans World of Tank Blitz. Et j'ai l'immense honneur et le privilège de vous présenter la nouvelle branche de chars japonaise qui a été mise en place dans la nouvelle mise à jour 2.4 de World of Tank Blitz, qui comporte bien sûr du changement. Alors, comme vous le savez, le changement a été premier point de la nouvelle carte Himmelsdorf. J'espère que je le dis bien. À mon avis, la prononciation n'est pas terrible, mais bon, Himmelsdorf. Hein, malheureusement, je n'ai pas encore eu la chance de pouvoir la tester cette carte. Et comme vous le savez, la deuxième qui a été retravaillée intégralement, c'est Temple Perdu, hein, qui a été complètement modifié. D'ailleurs, celle-là, j'ai eu la chance de pouvoir la faire plusieurs fois. Et j'avoue qu'elle est très très belle, hein. Franchement elle est magnifique et encore plus belle qu'avant. Un beau boulot de toute l'équipe, hein. Franchement chapeau l'artiste, hein. Voilà, alors comme vous le savez, voilà, je vais vous présenter un petit peu vite fait, je vais vous dire vite fait franchement les chars japonais de la nouvelle branche, hein, tout simplement. D'ailleurs je vous invite à aller voir la vidéo d'Askabar qui vous a présenté les rangs de tier 4, enfin les chars de tier 4, hein, le Keo et le Chihei. J'espère que je les prononce bien également, parce que ça, à mon avis, la prononciation des chars chinois, ça va être terrible. Mais voilà, donc je vous invite à aller voir sa chaîne, hein. Il vous a présenté ces deux tiers 4, un médium et un léger, hein. Après, vous savez qu'on part directement sur, à partir du tiers 5, on part que sur du médium. Donc, bah, moi, dans ma vidéo, je vais vous présenter directement donc, le Chinu, un char de tiers 5, et on va aller jusqu'au STB1. Merci Aska, parce qu'au moins, je t'ai écouté dans ta vidéo, et tu dis bien STB1, donc je redis exactement ce que tu dis, comme ça, au moins, tu pourras bien me dire si je le dis mal, et ben on sera deux. Donc voilà, donc en tout cas moi je vais vous faire un petit plaisir d'aller directement sur le terrain avec la nouvelle branche, hein, vu que vous le savez j'ai un compte spécifique maintenant pour pouvoir vous les présenter et je m'en fais l'honneur et un privilège de pouvoir vous les montrer en action, hein. Donc bah moi écoutez, on va partir tout de suite avec le Chinu, le Chinu, directement un char médium de tier 5. Allez, souhaitez-moi bonne chance, on va en avoir besoin, hein. Et voilà. Donc oui, alors que dire de plus, déjà merci. Merci à Wargaming de m'avoir passé ce fameux compte qui me donne justement maintenant la possibilité de pouvoir tester tous ces chars après une nouvelle mise à jour. Merci à vous. Et donc, allez, on est parti tout de suite. Et voilà, c'est parti. Alors, voyons voir un petit peu sur le terrain Bigouf le YouTuber. Et oui, salut. Et ben voilà, t'es tombé. T'es tombé en plein dessus, hein. Donc allez, on est parti, on va essayer de se faire quand même de belles parties, parce que j'ai quand même 5 sars, 5 bébés japonais à vous montrer. Je vais essayer de vous les montrer quand même assez proprement, faire quelque chose de propre. Alors n'oubliez pas bien sûr que sur mon compte personnel, je tiens à le préciser quand même, sur mon compte personnel, je suis seulement qu'au tier 3, parce que forcément, hein, j'avance également aussi sur mon compte personnel. Alors attendez, nous on va aller là, on va aller voir si on peut... Non, on voit personne. Demi-tour. Ouf. Ah ah. Allez. La T2. Est-ce qu'on peut lui mettre une petite cacahuète? Concentration. Ah d'accord, ok. Oh oh. Bon, là, on bouge. Tout de suite, on reste pas là. Voilà. Alors, est-ce que je peux distribuer une deuxième? Ah oui, peut-être là. Alors attendez, on va se concentrer. Allez, lui. Voilà. Beuillant, ils ont morflé. Alors, ce qui est bien, c'est que là, le KV1 s'avance dangereusement. Donc, nous, on va... Voilà. Ouh, c'était pas passé loin. Attention. Voilà, magnifique. Donc, par contre, il faut faire très vite quand même. Donc là, on va se mettre... Voilà, très bien. Il a encore loupé son tir. J'ai du bol. Voilà. Donc... Ah, ça y est. Oula, ça y est, j'en ai pris deux. Ok, très bien. Donc là, celui-là, il est pour nous. Non. Bon. Là, par contre, on va peut-être bouger de là. D'accord, ok. Pas de problème. Allez, hop là. Allez, 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 allez. Hop, très bien, très bien. Reste là, reste là. Voilà. Super. Alors, maintenant, on va s'occuper de nos prochains clients. Allez, second KV1. Oui, là, ça va passer. Alors, attention, mes amis. Alors, attendez. Au pire, j'ai lui. Voilà. Donc là, en bas, ça se passe bien. Là-haut, pas de problème. Donc là, qu'est-ce qu'ils font? Ah, donc là, déjà, ils reculent. Quand on a l'ennemi qui recule, c'est bon signe. Alors, voyons voir un peu. Oh,
Alors attendez, là on va s'avancer, nous. Hop, 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 hop. Hop. Hop, là, nous, on recule tout de suite. Voilà. On va essayer d'en mettre une petite au KV1. Ah, loupé. Ah, j'ai loupé le bouton. Ah là là, dommage. Dommage, dommage. J'ai voulu reculer, mais je n'avais pas le bouton sur les doigts. Alors, que se passe-t-il avec... Alors, attendez, nous, ce qu'on va faire... On va aller là. Voilà, allez, on y va. On va bouger. Hop là. On va aller chercher le Chihei. Donc, un char de tier 4, que d'ailleurs, je me répète, mais Aska vous a fait une présentation dessus. Je vous invite à aller voir. Allez, je vais la mettre dans tes fesses. Ah ouais, j'adore. J'adore dans tes fesses. Ok. Allez, on continue à avancer, mes amis. Hein. On y va. Le but, quand même, c'est de vous faire... Voilà. Alors, attention. Wouhou ! Coupé. Attention. Touché. À mon tour. Voilà. Très bien. Donc, pour l'instant, hop, on va en profiter qu'il a tourné sa tourelle. J'en mets une petite. Ah, dommage. Ouais, bon, là, c'est de ma faute. Je sais pas pourquoi je suis resté là. Allez, on retente pour la peine. J'y renvoie une praline. Voilà, très très bien. Allez, et là, normalement, voilà. Ah, j'adore quand ils sont cuits. Alors là, maintenant. Allez, hop, en plus, moteur HS. Voilà, et là, c'est pour nous, c'est cadeau. Et voilà. Magnifique. C'était de toute beauté. Voilà, voilà. Donc, bah, le premier tier 5, tout s'est bien passé. Hein. On a essayé de faire une belle partie et je pense qu'elle est quand même bien... On a réussi à faire quelque chose de propre. Donc, bah, voici tout de suite les résultats, mes amis. Alors, hop, en score, on est quand même à 2331 de dégâts, ce qui n'est pas négligeable, hein, très bien. Bon, bah écoutez, mes amis, on continue cette aventure ensemble avec le Cheeto. Là, on passe sur un char de tier 6, j'allais presque dire de tier 7, mais non, non, on part sur un char de tier 6. Allez, on est parti, mes amis, on va voir un petit peu ce qu'il vaut. Alors, je vous avoue, celui-là, je ne l'ai pas encore essayé, donc on va l'essayer ensemble, mes amis. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah écoutez, pas grand chose, parce que là c'est vrai que je teste avec vous, donc ça va pas être... je ne le connais pas du tout, je ne sais pas ce qu'il vaut au niveau de son de sa puissance de feu. Alors bien sûr, au pire, hein, quand ça sera mon compte personnel, on se fera une vraie aventure, je trouverai des choses à faire. Voilà, en avant. Donc là, alors que font mon équipe? Là ça descend, là ok. Bah écoutez, donc apparemment ça grimpe. Allez, nous aussi on va grimper. On est parti. Et allez, ça a grimpé, ça a grimpé, ça a grimpé, ça grimpe. Alors ça y est, on en a déjà un qui est Spotify. Alors en tout cas, je tiens quand même à remercier tout le monde. Hein. Grand, grand merci à vous tous de vos soutiens, de vos encouragements, de tous vos commentaires. Hein. Ça me fait vraiment plaisir, ça me fait vraiment chaud au cœur. Ah, alors par contre, attention, on a un AT-8. Oh, en fait, ils sont tous là-haut, quoi. Oui, oui, nous arrivons, nous arrivons. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Allez, première cacahuète, complètement foirée. Allez, deuxième, normalement. Ouais, là, on l'a touché, c'est sûr. Ah. Allez, on va se faire un petit AT-8, mes amis. Dommage. Il a rebondi. Alors là, celui-là. Voilà. Ah, ah, voilà, super. Oui, mais c'est pas grave. Là, le but, c'est que nous, on l'immobilise, en fait. Ou au pire, on va tirer. Même pas. Ah non, il a ricoché. Et là, si je tire ici. Voilà. Ah, dommage, dommage. Alors. Donc là, non. Alors, attendez, il y a le petit T-34 qui s'avance. Est-ce que je peux y en mettre une petite? Voilà, super. Magnifique. Allez, nous, on va avancer un peu quand même. Hein, on va soutenir tout ça. Voilà, magnifique, attention. Ah, dommage. Alors, attention.
Attention. Voilà. Salut camarade. Ah là là, il a rebondi. Pas très très bien ça quand ça rebondit. Alors là, normalement on rebondit pas. Voilà. Ouais, moi quand je dis je veux pas que ça rebondisse, mes cacahuètes ne rebondissent jamais. Voilà, allez. Ça c'est fait. On continue, on va aller chercher ce Chinu. Bah, on n'ira plus le chercher parce qu'il s'est fait dégommer. Voilà. Alors. Hop, 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 hop. Salut, camarade. Ah, oh, je brûle. Je vais attendre, voilà, Kitty, hein, comme ça, moi. Hop là, allez, on en profite tout de suite, on va aller le chercher. On va pas le laisser s'enfuir. Bah, du moins... Ah, je me perds dans les boutons. Bah écoutez, on va se prendre. Allez, autant s'en occuper de tout de suite au cas où. Voilà. Alors attention, le TK34 qui revient à l'assaut. Mais me colle pas derrière! Oh là 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 là! Mais c'est pas possible de voir ça! Alors ça, c'est le genre de truc qui m'agace, les gens qui vous collent comme ça, et voilà, je voulais reculer, et impossible de reculer. Oula, ça tourne mal, cette histoire. Ah, attention. Ah, c'est quand même mieux, hein. Vous en pensez quoi, vous, mes amis? Hein, c'est plus fluide, c'est plus doux. Oh, c'est tout doux. Alors, où sont... Ben, où il est, où est le dernier? En plus, c'est un KV1. Bon, là, on va dire qu'il est quand même plutôt, on va dire, mal barré. Quoique, mal barré, pas si mal barré que ça par rapport à moi, hein, parce que personnellement, j'ai pas intérêt de jouer trop mon franjo, comme qui dirait, parce que là, il va m'en mettre une et pour moi, ça sera fini. Donc, autant quand même se sécuriser. Hein. Le but, c'est de vous les montrer, donc qu'ils soient quand même opérationnels jusqu'à la fin de bataille. Pour l'instant... Ça tient bien, comme ça en même temps ça me permet de vous montrer un petit peu la maniabilité de ce char. Alors hop, voilà, là on pote bien, là super, voilà. Alors je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il est remonté. À mon avis, il a dû remonter. Parce que là, il n'y a personne. Oh, dis donc. Oh, ça rebondit. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais qu'ils capturent la base, dis donc. Bon, bah, nous, on fait un petit tour de la map, hein, directement. Hein. Ah, c'est un T-150, je crois que c'était un KV-1, non. Un T-150, ok, c'est parti. Donc là, par contre, voilà. Là, je vais venir en soutien, mais j'ai intérêt de faire attention, parce que je pense que, voilà, ça va être moi en premier qui va essayer de dégommer. Ça va être tendu quand même. Ouais, bah oui, je sais très bien que tu vas essayer de l'attaquer, mais le problème, c'est qu'il va essayer de me dégommer, je pense, en premier. Allez, on va venir en soutien quand même. Voilà. Attention, on se concentre, mes amis. Ouais, c'est pas mal. On va peut-être s'en sortir, hein, finalement. Enfin, moi, personnellement, je serais le T-150. Je serais d'avoir le fameux char qui est le plus mal en point, hein, directement. Mais bon, après tout, c'est son choix. Tant mieux. Je le respecte. Il n'y a pas de souci là-dessus. S'il préfère, bon, bah voilà. Super, magnifique. Eh bah écoutez, je suis très très content de vous avoir présenté ce Chito, hein, du moins présenté. On va dire, on est parti en bataille ensemble. Hein. Je vous l'ai pas réellement présenté, je vous ai montré un petit peu de quoi il était capable. Hein. J'ai essayé de faire mon possible pour faire quelque chose de propre. Hein. J'essaye maintenant, voilà, magnifique. De toute beauté, hein, malgré qu'on a réparé deux fois. Hein. Voilà, et on est à 2345 de dégâts. Eh bah c'est super. Eh bien, écoutez, mes amis, tout de suite, on part avec ce Chiri. Hein. Oh, ce Chiri. Là, on passe sur un char de tier 7. Hein. Là, vous le voyez, il commence à être... ça commence à être du costaud, hein, quand même. Hein. Faut pas se le cacher. Allez, tout de suite, on est parti à Rail Mortel. J'aimerais bien pouvoir tomber sur cette nouvelle map. Parce que je vous le cache pas, hein, depuis que la mise à jour a été mise en place mercredi, hein, Imelsdorf, j'espère que je le dis bien, je n'ai pas encore eu la chance de pouvoir l'avoir. Enfin, de pouvoir la tester directement. C'est un peu dommage, d'ailleurs. Alors, attendez, je vais me rincer le gosier.
Voilà, voilà. Allons-y, c'est parti. Alors donc là, vous voyez, c'est un barillet, enfin c'est un chargeur à trois coups. Voilà, on est parti. Excusez-moi, je rigole parce que j'ai ma tiotte qui essaye de déterduer mais qui fait des... qui n'y arrive pas du tout. Allez, alors attention, que va-t-il se passer mes amis? Donc comme toujours, je vais essayer de vous faire une partie de qualité, de première qualité, hein, même si on est parti pour s'amuser, mais on va essayer quand même de faire quelque chose de propre. C'est quand même mon devoir maintenant, hein. Au début on faisait ça, on fait toujours ça pour s'amuser, mais maintenant on essaye quand même, comme je dis, je prends tous vos conseils, vos commentaires, vos aides, hein, qui me sont très précieux d'ailleurs, merci à vous tous, hein. C'est pour ça que j'essaye. Après c'est vrai que les chars chinois, je ne les connais pas vraiment, je n'ai pas encore... un Churchill et un T-34, là, un KV-3 qui arrive. Distribution de la première cacahuète. Ouh. Ah, il fait mal quand même, hein. Attention, temps de rechargement effectué. Et là. Mais non, mais c'est pas possible, ça fait déjà deux fois qu'on me pique mon kill en... Mais bon, c'est pas grave. Le principal, comme je vous dis, voilà. Attendez, je me concentre. Voilà, pas faire n'importe quoi. On va essayer de faire des coups au but intégral. Hein, on va éviter directement de tirer des cacahuètes pour rien. Alors, est-ce que ce petit KV-3, je pourrais y en mettre une petite, là? Et peut-être, attention, qu'est-ce qui passe là? Oh, hé, comment c'était magnifique. Voilà, il sait que je suis là. Alors, nous, on va en profiter. On va recharger. Voilà, tranquille, comme vous voyez. Hein. Par contre, il met plus de temps à recharger. Bon, forcément, il recharge quand même 3 obus. Voilà, recule tranquille, mon ami. Voilà, super. Ça y est. Voilà, on en a eu un. Donc, on va aller chercher le M4 s'il n'a pas été dégommé. Il va être pour nous. Même si là, je vais m'en prendre une petite, c'est pas grave. Le but, c'est quand même d'aller les chercher. Alors, je sais qu'il était dans ce coin-là. Ah, le voilà, notre camarade. C'est parti. Oh non, j'en ai loupé une. Alors là, forcément, voilà, je me place pas comme il faut. Mettez toujours votre char de face, légèrement anglais. Hein, attention, c'est parti. Et voilà. Elle est cuite. Allez, on en profite, on recharge en même temps. Oh, oh là, oh, alors là, j'ai fait n'importe quoi. Là, je vous avoue, la chute m'a fait très mal. D'ailleurs, lui, il a fait la chute et il a pas eu mal. Bon, on va dire quand on voit la taille de son char par rapport au mien, forcément. Il est quand même plus lourd, le mien. Allez, on est parti. Alors, attention, qu'est-ce que nous avons? Hop, 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 hop. Ah, attendez. Voilà, ça, c'est super. Hop, voilà. Ok, très bien. Bah écoutez, ça se passe. Ah, on a perdu un deuxième. Allez, monte, 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 monte. Allez, on va aller chercher lequel? Tiger 1 ou Tiger 1? Oh, j'hésite, hein, j'hésite vraiment. Hein. Bon, allez, on est des fous, on va chercher le Tiger 1. Non, Big Goof, t'es complètement... t'es bébête de dire ça. C'est tous les deux des Tigers. Ouais, je sais. Allez, pour nous? Super, voilà. Magnifique. Et ben voilà. Et ben je suis très content, je suis très fier. Franchement, là, je vous fais de belles parties. Je vous fais pas de belles présentations, mais au moins je vous fais de belles parties. Et ça me fait vraiment plaisir, mes amis. Alors, attention. Ah, deuxième, dommage. Alors, deuxième, mais bon, on est quand même premier avec 2632 dégâts. Hein, c'est pas négligeable quand même. Bon, bah voilà, ce chéri, bah, je l'aime bien. Finalement, il est très, très pas mal. Hein. Il est très, très bien, même. C'est très, très pas mal, non? Très bien. Bon, allez, mes amis, on est parti maintenant. Là, on part avec vraiment du plus lourd, hein, même si ça reste toujours des chars médiums. Hein. On part avec le STA 1. Je vais dire 1 directement. Je ne vais pas dire le 1, je vais dire 1. Ça sonne mieux. Le STA 1. Alors, et nous partons à Palmier de l'Oasis. Ok, c'est parti. Alors j'espère en tout cas que vous prenez un réel plaisir de regarder cette vidéo. Moi en tout cas je me fais un réel plaisir de vous la faire.
et de vous la commenter en direct. Hein. Pour ceux qui me poseraient la question, pourquoi tu la commandes pas après avoir fait ta vidéo? C'est parce que ma capacité de mémoire est très très faible. Donc c'est pour ça que je suis obligé de vous commenter en même temps que je joue. C'est pour ça que des moments, justement, y a des blancs. Du fait que je me concentre, que comme vous le savez, c'est pas forcément évident. Alors attendez, qu'est-ce que font? Voilà, nous on va tourner. Bon, vas-y, rentre-moi dedans, toi, dis donc. Allez, on est parti. On va partir en groupe indirectement, hein, ça sert à rien de partir tout seul. Ça serait suicidaire, comme qui dirait. Hein. Alors. Alors j'espère que mes amis, pour l'instant, on est bien parti sur les. On est très très bien parti en guerre. J'espère qu'on pourrait se la finir encore aussi bien qu'on a démarré. Ça serait cool. Donc là, à moi de me concentrer, d'écouter. Voilà, de vraiment, en fait, je prends vraiment tous vos messages. Comme je dis, hein, je réponds peut-être pas forcément tout le temps, mais au moins... Ah, dommage. Je prends vraiment... Alors lui, voilà, lui, il est juste là pour maintenir tout le monde. Voilà, allez, reste là. Non, non, répare pas, ça sert à rien. Dommage. Dommage, t'en aurais bien mis une petite. Oh, toi. Bon, bah, je crois que ça va être notre premier client. Bah, non. Voilà, alors, allez. Alors, pour l'instant, on a un sans faute. Juste un qui n'a pas pénétré, mais sinon, on s'en tire. Voilà. Ah oui, alors, toi, t'es comme ça, toi. Oh, bah, t'as le feu aux fesses. Ah, là, c'est pas moi qui te l'ai mis. Hein. Allez, on continue. Ah. Alors, attention à celui-là, parce qu'il y en a un, voilà. Voilà, donc là, je fais en sorte de le prévenir, de prévenir mon équipe. Alors, attention, nous, on va faire demi-tour. Voilà, on va pas rester là. On va venir en soutien avec l'IS-3. Allez, on se dépêche. Voilà. Voilà, parce que là, il va venir en soutien pour essayer de dégommer en premier l'IS-3. Donc, nous... Donc, attention de pas se mettre. Voilà. Donc profitez de la maniabilité justement mes amis de ces chars. Oh là 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 là, c'est de toute beauté. Oh là là, ça c'est fou. C'est un carton plein là comme qui dirait. Hein. Alors. Allez, on va aller tout de suite. J'hésite maintenant encore entre un Tiger 1 et un Cromwell. Bah on va aller chercher le Tiger 1. Allez. J'espère que je vais avoir le temps d'y en mettre une petite avant que ça se termine. Allez, au moins une petite destruction, ça serait cool. Ah, je vais pas avoir le temps. Ah, si, c'est bon normalement. Voilà, super. Ouh, au moins on en aurait eu un. Hein. Magnifique. Eh, vous avez vu, mes amis, hein, j'écoute vraiment tous vos commentaires. Hein, j'essaye de m'améliorer. Hein, j'espère que vous trouvez ça quand même des bien. Hein, j'espère, parce que je vous fais quand même... Alors, voyons voir un petit peu ce qui va se passer. Oh, puis en plus... Incassable, eh, c'est-il pas beau tout ça? Et là, on a fait 2076 de dégâts, mais c'est pas mal. Bon, malheureusement, on en a eu qu'un, hein. Voilà, avec ce ST1-1. Bon, bah écoutez, mes amis, on continue cette aventure. On arrive maintenant avec du gros char, avec le type 61, un char de tiers 9. Allez, on continue. J'espère qu'on est vraiment parti pour une ascension complète de victoire. Alors, ça serait franchement mon... Plus grand honneur de vous avoir montré en combat tous ces chars japonais de tiers 5 à tiers 10 avec que des victoires. Donc vous inquiétez pas, je vais essayer de faire en sorte de pouvoir tenir le bon bout, hein, parce que là on est quand même bien parti. Alors, tiers 7, ouais, tiers 7, alors que font mon équipe? On va attendre un petit peu, on va voir, donc là... Ok, alors, écoutez, on va partir où? Qu'est-ce qu'ils font? Non, viens pas là, le panthère. Allez, on y va tous ensemble. Ça sert à rien, n'y va pas tout seul. Hop là. Alors.
Ah, ils sont quand même stylés, hein. À partir du tier 7, ils sont franchement du... Moi, je trouve qu'ils ont du style, quand même. Hein. Ok. Alors, bien sûr, mes amis, hein, je ne suis pas fou. Je ne vais pas aller directement au casse-pipe. Hein. Je vais laisser le 75 ouvrir la voie. C'est quand même un char lourd, donc on va dire ça et l'IS-8. Ils sont quand même beaucoup... Ils seront beaucoup plus résistants que moi. Donc on va être là en soutien si vraiment il y a besoin. Voilà, là on a le Panther qui est parti tout seul malheureusement. Donc là on sait déjà où il se trouve plus ou moins. Donc nous on va essayer de faire au plus vite. Voilà le Pershing qui fuse. Allez. Hop. Alors on a un T-54 qui est là-bas, d'accord. Là on a un Pershing qui est là-bas. Est-ce que... Oh attendez, peut-être... Mais non mais me rentre... Mais... Ah mais qu'est-ce qu'il fait bordel. Mais c'est pas croyable de voir ça, hein. Direct à coller comme ça. Hein. Ah ça c'est le genre de truc mes amis que j'ai horreur quand vous faites une partie. Je suis d'accord qu'on est là tous ensemble pour jouer ensemble. Mais me coller comme ça, ça c'est... Oula, qu'est-ce que nous avons là. Oh là là là, et voilà, il recommence, mais c'est pas croyable de voir ça. Hein. Ah, mais moi, je vais pas rester là, parce que sinon, je suis, voilà, plutôt mal barré. Alors, attendez, je vais faire demi-tour. Si j'arrive à me repérer dans mes boutons, parce que là, je suis en train de me perdre bêtement. Voilà, allez. On recule. Voilà, là, c'est... Non, désolé, mon ami, je pourrais pas venir t'aider. Là, c'est impossible pour ma part. Voilà, bon, là, je crois que mes amis, on est plutôt... Voilà, alors je vais attendre un petit peu que notre char disparaisse des radars ennemis, hein, comme qui dirait. Ok, allez. On va essayer maintenant ce petit Pershing, parce que là, il m'en a mis deux et je suis pas content. Voilà. Oui, j'ai ma fille qui est en pleine crise. Parce que là, elle voit qu'on en a trois perdus. Non, alors le 75, te mets pas là. Bon, tant pis, tu t'y mets. Ok. Alors. Bah oui, on sait que c'est celui-là. Alors, nous, on va passer là. Donc normalement le 75 va le prendre en sandwich et nous on le finit. Voilà, super. C'est bon. Bon déjà, ça c'est fait. Maintenant, on va aller voir. Donc là on va rester en groupe maintenant parce que de toute façon on n'a pas vraiment le choix. Donc là on a nos deux lourds qui sont en parfait état, ça c'est bien. Alors par contre le Pershing lui il fait chier son monde plutôt qu'autre chose là. Voilà, donc maintenant on sait qu'il y en a au moins un qui est à la base. Mais faire attention mes amis, parce qu'on peut en avoir d'autres qui sont... Voilà, et je vais être le premier client. Voilà. J'aurais pas dû me mettre à découvert à ce point-là. Alors là, ce que je vais faire, je vais tenter quelque chose. Je vais speeder, voilà. Allez, là on y va. Hop là, voilà, déjà on va se mettre là. Voilà, le 75 qui fait pareil. Voilà, qui fonce là-dedans. Allez, allez, allez. Voilà. Par contre, faire attention, voilà, au T-54 qui est... Ah là 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 là, il le prend. Voilà. Bon, bah malheureusement, on a perdu le l'IS-8, ça c'est dommage. Et là, voilà, j'ai intérêt à faire très vite, de me casser de là, parce que là, je joue... Oh là 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 là. Ok. Ça c'est bon. Attention au... Oh là là, oui, de toute façon j'étais le dernier et puis là j'arrivais carrément dans la gueule du loup. Bon bah je suis désolé mes amis, hein. Forcément il aurait fallu de la chance pour pouvoir m'en sortir, mais là entre trois lourds et un médium c'était difficile, sachant que le médium lui était au plein et là je commençais... Bon je vous avoue j'ai mal joué, voilà, j'ai mal joué, on va pas se cacher.
Voilà, puis là, on a perdu de l'argent, forcément, je vous cache pas. Bon, on a fait quand même 2166 de dégâts, on a réussi à en détruire deux. Mais bon, malheureusement, voilà, on n'aura pas gagné avec ce type 61. Bon, bah, mes amis, allez, on va fermer le bal des chars japonais pour aujourd'hui avec le STB-1, un char de tier 10. Allez, on est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà, souhaitez-moi bonne chance. J'espère pour la finale quand même de vous faire quelque chose de propre. J'espère de tout cœur quand même. Hein. Mais en tout cas, je vais me battre au maximum pour vous faire quelque chose de magnifique à la fin. Oh, ça sera magnifique, ma chérie. Et je suis désolé, par contre, on n'aura pas eu la chance de pouvoir découvrir en plus avec ce STB-1 la nouvelle map. Je suis un peu déçu. Voilà, c'est un peu une bigouf streaming for YouTube. Ah là là, je te jure, c'est... Merci, mais faut pas... Ils vont essayer de me dégommer en premier. Je sais pas pourquoi, je le sens mal. Je le sens... merci, camarade. Je le sens très très mal. À mon avis, je sens qu'il va essayer de... Voilà. Do you have shit? Ah non, non, pas du tout. Hop là. Allez. Nous avons notre premier client qui est là. Et que j'ai complètement loupé. Ah, voilà, moi, comme un bébête, je révèle ma position. Ah, ça commence... Ah, bah, attendez. Voilà, c'est parti. J'ai pris une première douille. J'ai pas intérêt de rester là, sinon je suis plutôt mal. Parce que là, en fait, j'ai mon équipe qui part carrément à l'ouest. Hop. Voilà. On va se... Ouais. On arrive... Oh, mais c'est pas possible! Excusez-moi, les amis, je fais n'importe quoi. J'ai loupé la... Enfin, j'ai pas loupé la touche. C'est qu'en fait, j'ai mon doigt qui a ripé sur le... Comment? Sur le bouton de tir. Et donc, ça a tiré. Bah... Oh là 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 là! Mais c'est dangereux, ce que je fais là! Allez, on se le finit, lui. Voilà. C'est tendu, mes amis, c'est tendu. C'est très, très tendu. Oh là là, par contre, ça, c'est dangereux. Très, très dangereux. Attention. Non, faut pas que je me fasse voir comme ça. Mais qu'est-ce que je fais? Et voilà, je m'en serais douté. J'ai fait n'importe quoi. Et là, je cherche vraiment à me faire dégommer. Hein. Je vous fais vraiment une partie, mais de merde. Excusez-moi du terme, mais là... Franchement, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Ça va, l'IS m'a loupé. Et moi aussi, du fait que mon canon est détruit. Et là, c'est... Allez, on y croit, mes amis, on y croit. Eh ben non, on n'y croit pas. C'est fini. Voilà. Bon, bah c'est super, mes amis. Je suis désolé. J'ai fait de la merde pour la fin. C'est dommage, parce qu'on était bien partis. Mais là, à mon avis, c'est très, très mal barré, encore une fois de plus. Comme quoi que les gros tiers, c'est pas mon fort. Bon, bah écoutez, mes amis, je suis désolé, on va en rester là. Bah voilà, regardez bien la finale. La finale qui va être catastrophique. Voilà, et d'un cinquième. Nous avons le sang maintenant qui va être pris en sandwich. Allez, on y croit. Et on a le Tiger 2 qui s'occupe de l'IS-8. Mais là, oh bah oui, en plus derrière, il a un... Allez, au moins celui-là, ça serait cool. S'il ricoche pas, parce que là, il est parti pour ricocher. Voilà. Eh ben non, c'est dommage. Donc, il nous reste plus que le 100. Je suis vraiment désolé, mes amis, pour cette partie, cette finale un petit peu catastrophique. Hein. Bon, après, j'ai le temps qui compte un peu. Allez, mes amis, on va retourner au garage tout de suite. Hein. Je suis désolé, mais là, il faut vraiment que je me dépêche. Bon, bah écoutez, mes amis, je suis vraiment désolé pour ces deux dernières parties. Je vous promets de refaire une vidéo sur ces tiers 9 et ce tiers 10, donc sur le type 61 et sur, bah voilà, sur le STB-1 qui vient de se prendre une déculottée, mais faramineuse. Et puis, bah, nous, on se retrouve pour de très, très nouvelles aventures. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Moi, je me serais pris un plaisir de vous la faire malgré ces deux dernières défaites. Et on se voit très, très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut les amis, à la prochaine. Ciao !